Donc on va terminer sur des articles un peu moins hardcore. Ah oui, là, il y a eu une bonne nouvelle. Valeur actuelle, pornographie, ce nouveau dispositif pour interdire réellement l'accès aux mineurs. Le ministre délégué chargé du numérique a annoncé la mise en place d'un dispositif de certification de l'âge pour bloquer l'accès aux mineurs et de ces sites pornographiques. Le gouvernement se veut plus strict sur l'accès aux sites pornographiques par les mineurs. C'est bien, c'est parfait. Auprès de Parisiens, dimanche 5 février, le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif pour empêcher l'accès aux mineurs à ces sites internet. Cette mesure sera détaillée dans la semaine avant d'entrer en vigueur en septembre prochain, mais le ministre a d'ores et déjà indiqué au journal cette certification d'âge qu'une certification d'âge sera instaurée prenant la forme d'une attestation numérique. Je sais pas du tout comment ça va se passer, ça veut dire que tout le monde va devoir le faire, ça. Quand on va aller sur Pornhub tranquillement, là, il va falloir montrer. Il va falloir. Enfin, je sais pas, t'es obligé de. Normalement, c'est l'anonymat qui est intéressant, là. Ça va être bien. Mais bon, si ça protège les enfants, c'est pas grave. Le ministre s'est félicité que la France devienne alors le premier pays du monde à proposer une solution comme celle-là. C'est bien, c'est bien. Jusqu'à l'interdiction des sites pornographiques. Ces opérateurs télécoms pourraient faire partie de la boucle, du moins ceux disposant de l'âge de leurs clients, indique Le Parisien. Cette solution technique sur laquelle nous travaillons pourra être utilisée pour faire respecter les limites d'âge qui existent dans notre droit, mais qui ne sont pas suffisamment respectées en ligne, a expliqué le ministre au quotidien. Jean-Paul Barrot a d'ailleurs mis en garde les sites pornographiques qui devront s'y confronter, former sous peine de voir la diffusion interdite sur le territoire national. Bravo, bravo, c'est vraiment très bien ça. À l'heure actuelle, les internautes doivent certifier qu'ils sont majeurs, soit en renseignant leur date de naissance, soit en cliquant simplement sur une case indiquant je suis majeur avant d'avoir accès au site porno. Bravo, bravo, bravo. C'est très bien. À partager cette info, c'est vraiment très 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 bien. Parfait.